Ben, bonjour à tutti et va qui actu hoc les nouvelles de Provence. Une émission de l'Institut d'études occitanes de la Vaucluse a mis à l'œil les informations les intéressantes de l'école du Ventoux. Alors, Chantal, c'est que douce. Les actualités, c'est que douce, mais de qualité, donc. et la qualité qui compte, c'est sûr. Alors, actualité, per le mois de décembre, fin au mois de janvier, 24. Commençons per le 15 de décembre, c'est un divendre, à 9h de vespre, à Arles, donc, à la librairie des Naturaires et Roms, une conférence cantade des Clément Chauvet. Si c'est pas toi, c'est donc ton frère. Ah, si c'est pas toi, mais pas toi, P-A-T-O-I-S. Vaki. Ah, oh, d'accord. En collaboration avec le Cercle Occitan du Pays d'Arles. Donc, c'est une cantaire venue du groupe du Partas, qui a ses restes, et donc présentée au travers du répertoire canta a cappella, une partie de son répertoire et alentour des traditions populaires et un pays occitan. Donc l'intrade est libre, mais le nombre de places est limité. Faut que c'est marqué à la librairie De Natura Rerum, en Arles, est le divendre 15 à 9h. Et también... Alors donc, espera, c'est une conférence cantada per Clément Chauvet. Et le titre est... Si c'est pas toi, c'est donc ton frère. Si c'est pas toi, donc... Pas toi attaché, P-A-T-O-I-S. P-A-T-O-I-S. Est-ce autre chose à nous dire, Chantal? Bon, le divendre 15 de décembre à Cadarus, à la glaise Saint-Michel, à Yotchouremiège, donc le vespre, un concert des nouvées, donc la chorale Sainte-Seille, et Renoinas, Vaki. D'accord, dis donc, c'est le 15 de décembre à Cadarus, dans la glaise Saint-Michel. Donc, c'est une poulie de glaise d'ailleurs, qu'il faut la veiller. C'est une glaise qui est mi-art roman, mi-art gothique, et qui est verte à dire, et qui a un clocher plat, pas comme les clochers, un clocher un peu comme s'il trouve du côté de Toulouse. Ah bon, d'accord. Et c'est véritablement une glaise qui est au niveau de l'architecture, qui est fort en avait, qui est force, intéressante. Que Bernard vous parle, avec un gulouten, ils prennent un crayon, une feuille de papier, et de noter les dates qui viennent. Alors, les dates qui viennent, je vais vous dire que le 17 de décembre, À Bédouin, il y a la duberture de la glaise Saint-Père per visita Loubelin. Loubelin. La crèche, donc. Loubelin, à quoi on promet ça, vous dire la crèche. Loubelin. Alors, c'est de 2h à 5h des vespres. Et à quoi c'est des bandes jusqu'au 7 des geniers. Et donc, c'est une force poulie Bélin. Et va qui. Alors, après, vous vous proposez ou tambin des l'Odissat, tambin. C'est après année Estrana à Bédouin. Le 17, 7 et le dimanche 16 de décembre à Cabrières d'Avignon. Il y a une grosse salon des santons, un grand salon. Per faire le Bélin, à 10h du matin et c'est bar à 6h du vespre. Hein, donc, avec le temps d'y aller. Est-ce que le 17 et le dimanche 16 à Cabrières d'Avignon. D'accord. Un quart une pichotte. Informations d'actualité le dimanche 16 de décembre en quart. Alors après Estrana Cabrières, Podesana à Pernelifon. Pernelifon, il y a le marca des nouvées. Et alors dès le marca des nouvées, ça rend présent la fourme, la tchourme des affogas que tout le monde connaît. Le groupe de théâtre voilà. des pernes qui jouent des poulies de peste, des pestes contemporaines d'Avioré qui sont inscrites à l'Eurodard, donc pas des pestes ou pas ça. Et puis le conservatoire du costume contadin. Donc il y aura des costumes qui seront présentés au salon des Santons. Donc au marca des nouvées. Donc le 16 de décembre à Pernelifon. Et tu chantes là, toujours le même jour, pour des années des Pernes en Avignon,
perché lo vespre a Avignon, enfin, la premier jour à 13 heures de l'après-dina, donc, à Avignon, il y a un concert de nouvelles provençales par les boucles fines, et donc, elles à la glaise sans ruf. À 13 heures, l'entrée est libre et est organisée par l'Ustau de la culture provinciale d'Avignon. Vaki, vaki. Eh bien, je vous propose d'écouter une chanson faite par Joanda et les pitchots de la calandrette. Il ne faut pas les oublier, qu'il y a des pitchots. Donc, Joanda qui nous manda une poulie de chansons que ce sont les enfants du monde et oh, des figures des enfants du monde. Et fin d'ici, et fin d'ailà. Escoute, escoute, tout dresse maniaque. Et fin d'ici, et fin del monde. D'Occitanie, de Colombie. Et fin d'ici, et fin d'ailà. Escoute tout dreit. Escoute tout dreit. Et le droit de ma langue t'a parlé. Liberté d'expression, d'opinion, de penser. Dans ton pays, ton village, tu l'adulte, que c'est ta pitchou. Veillaron, su moudres cadeau, jour. Est-ce ton bébé, est ta raison? Et fin d'ici, et fin d'ailà. Escoute, escoute, tout dresse maniaque. Et fin d'ici, et fin del monde. D'Occitanie, de Colombie. Et fin d'ici, et fin d'ailà. Escoute tout dresse. Et le droit de ma langue à l'information, à la dignité d'une nation. Dans tous les jours et dans tes mains, dans ta vie d'adulte et de grand, tes fils, le droit de l'enfant, est un devoir, veillez demain. Et fin d'ici, et fin d'ailà. Escoute, escoute, tout dresse maniaque. Et fin d'ici, et fin del monde. D'Occitanie, de Colombie. Et fin d'ici, et fin d'ailà. Escoute tout dreit. Escoute ton dreit. Escoute ton dreit. Va qui le dreit des enfants de parler sa langue d'Oubresse. À quoi est important le dreit des enfants? Et donc, continuons à mettre l'actualité. Chantal, l'actualité de dire. L'actualité des provinces. C'est Sérignan de la Conta. Le 21 décembre, à la salle du Fest, il y a une conférence sur Jean-Henri Fabre par Jean-Bernard Plantevin. Son fils Thibaut Plantevin, Simon Calamel, Pauline Renard, donc ça, 8 jours de vespres à Sérignan, à la salle des fêtes, le 21 de décembre. 21 de décembre. Eh bien, le 21 de décembre, también, à Mazan, il y a un cacciofio. Ça, ce qu'est le cacciofio, Chantal? Oh, très bien. Notre institution sait ce qu'est un cacciofio. Et c'est organisé par les gens de Bresse et la ferme du Rouret.
va qui donc si vous voulez, il y en a, elles à 4 euros dès la premier jour. Et il n'y a pas qu'à qui qui a une 4 chauffeurs. Non, mais à quoi c'est des bannes au camin du Rouret. Donc, j'espère à quoi qu'elles sont à la ferme du Rouret. Elles se protègent de la radio d'ailleurs. Va qui elles à Mazan, elles pas bien gueux, elles juste à qui à Costa là. Juste à qui à Costa. Et puis le 16 de décembre, à Voriaz, también, font le 4 chauffeurs. Les pitchers de la calandrette, à mes Jean-Bernard Plantevin. Et puis les échos de Voriaz font le 4 chauffeurs le 7 de décembre à partir des 4 heures de la première jour, à mais une défila, plein de causes. Donc le 4 chauffeurs de Voriaz. Et le dimanche 22 de décembre, au Cresté, también, il y a le 4 chauffeurs. Donc des 4 chauffeurs, il y a un peu de partout. Donc si ça ne se passe au Cresté, le 4 chauffeurs, vous faut en Amazon, faut en à Voriaz et faut en au Cresté. Va qui Chantal, une autre info? Alors, à Pulé, une exposition à Vaison, donc, du 8 au 13 décembre au siège des Géniers. Une exposition sur les crèches de Noël provençales à la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption. Alors, c'est tout les après-dina, des 12 heures à 5 heures, et elle s'organisa par la restante. Et le 21 de décembre, ça sera du bert des 7 heures à Yetchou et Miège. Donc, une exposition à Vaison. À Vaison. Eh bien, hier, on vous propose d'aller au Messe des Génies à Jonquière. À des reins comme à Jonquière, c'est dit. Hein. Ah, Père le Café. Eh bien, oh, Père le Café provençal. Et oh, à Jonquière, à partir des 13 heures de l'après-midi jour, à l'Oustau de Jeune sera organisé par la tchourme des parlarins de Jonquière, le Café provençal. Va qui. Donc, Annès, d'où divendre 5 déjeuners à Jonquière. D'ailleurs, tous les premiers divendres de Messe. Ah oh? Bon, quatre premiers divendres dans Metz, il y a le Café Provençal à Jonquière. Alors, à Vaison, retourner à Vaison, le 7 janvier, il y a un concert de Jean-Bernard Plantevin. J'espère encore que ce n'est pas à qui il y a eu d'ailleurs, hein, parce qu'il attend la main des fers. Et donc, le concert, le 7 janvier, c'est à 13 heures de l'après-dina, espace culturel. Donc, coste 10 euros et elles organisent toujours per la restante. Alors, et per Acaba? Per Acaba, je vous propose d'aller à Saint-Savourin d'Avignon, Saint-Saturnin d'Avignon, Saint-Savourin d'Avignon, à 2 heures et demie du Tantos, de la premier jour, à la salle des fêtes. La salle des fêtes, c'est sur la Pastourelle. La Pastourelle, eh bien, il y a les pastoureux des Védènes, dit la Pastourelle, il y a les pastoureux des Védènes qui vont jouer la pastorale Morel. Alors, à cause c'est des bannes le 7 déjeuner. La pastorale Morel, c'est la maille qu'on est sud. Hein, et crée que c'est à quel que c'est fait le maille un peu de Pertou et de Marseille. La maille qu'on est gude. La maille qu'on est gude, va qui. Alors, l'intrade est libre. Hein, donc, si vous les avez d'entre-signe, donc, vous donne le numéro de téléphoner pour aller le 7 déjeuner à Saint-Savournin d'Avignon. Le numéro de téléphone per se marca es lo 06 Dusco, 612 51 605. Mais vous tournez à mail le dire. 06 Oui, 62 51 65. Va qui donc Perana escuta la pastorale Morel à la salle des fêtes de Saint-Vournin. Et ben c'est à la salle de Pernouvet. Eh bien, c'est Annès à Saint-Vournin. Père Escouta, quand t'as nouvel. Eh bien, Père Escouta, quand t'as nouvel. Nadao, Père Duny. Non, quand t'as Père Rosine de Peyre, en encanta Nadao. Quentin Nadao. Nadal, nadal, nadal.
Canté Nadao en car, per Rosine des Pères. Et vous, qui avez fondé une histoire de disques, ah, justement. Ventador, qui avait... Qui, Ventador, Ventador, qui est le nom des troubadours, d'ailleurs. Hein. Bernard de Ventador. Alors, il y en a même parlé d'un autre musicien et cantaire, et poète, enfin, ce que vous laisse. Rodin Kaufmann. Rodin, quand le voisin dit, il ne faut pas me dire Rodin, il faut me dire Rodin. Bon, non, mais vous lui parlez un peu français, j'espère. Apaisement un peu les jours du Turc, mais là, il faut un peu de français, de temps en temps. Donc, Rodin est un Marseillais polyglotte et il a un parcours atypique. Il est franco-allemand de naissance, 1980, sa naissance, et il a grandi au Maroc, en Égypte, au Liban. Oui, il a appris l'arabe et il a découvert la musique occitane à travers les albums de Massilia, son système. Massilia. Et Fabulous Troubadour. Donc, c'est à l'âge de 20 ans qu'il s'est décidé à apprendre l'occitan sur le terrain. Donc, il était en France, en collectant des anciennes de son village. Au moment où il découvre le Cours-la-Plane, dont il a fait partie, il a intégré deux groupes. Donc, débute l'invège des failles nous citant une musique qui est sourtirier, dissédie et battue, devint une préoccupation magique. Après 15 ans de tournades internationales, il y avait par exemple le Carnegie Hall à New York, l'Olympia, une première partie de Des Hebda, Esparène, 13 albums à Mélocorps de la Plane, et bien à Montalou Label, Pantai Record, pour produire un premier single qui est sorti en 2013, Indigna, un duo avec un rappeur de Brooklyn, Citizen Chance. Alors depuis, il a sorti un album solo, dont on va écouter un extrait, Pantai Plus, et travaillé sur différents projets du label en tant que directeur artistique, notamment pour La Roquette, c'est un peu un groupe d'Arles, et au sein des groupes Veil et Sorn, dont il est le fondateur. Donc, l'outroscanin scouta, force beau et poétique, Rey de la Lune. Rey de la Lune, je vous en donne juste quelques extraits en français. Je dirais un mot venu de rien. Je suis le roi de la Lune, tu es reine de la faune. Nous sommes les âmes de l'amertume, les eaux du marécage et les anges séparés de ce qu'il paraît sans masque. Nous sommes les êtres parés des plaies de sa majesté des mouches. Ah, c'est magnifique. Alors voilà, ouais, donc on pourrait continuer longtemps, on va l'écouter, bien sûr, c'est bien mieux. Sûr. Alors écoutez donc l'oreille, Rodin Kaufmann dit l'oreille de la lune. Si l'oreille de la lune, si es reine de la férune, si un des âmes de la marune, les aigues de la palune, les anges de ses parades, c'est que pareil ses masques, si un lise ses parades, plague de sa majesté des mousques. Si es regine de luz, si oreille de gaire pus, si un enfant de montaïsune, enfin l'aire de tu,
Li reire se parenda che ste paraule fusco sun lise se paralu senza parade mo che nei sun di ma buco. Testa cor dura de sedo, terra veus e testa secca. L'esperma dura la lingua, di la selva pa de deco, ma man come la lecca de lei, e di mon cuor pausica de mo, disun parla de lei. Sur l'oreille de la lune, souverain de son pur, ancien saberute son pur, conta les estelles. Peri de gigan, campa pao dao l'endemain, arasier, une infame batte ou sen velo. E sabi pa come fa sen zelo, es come per sen vula sen zalo, es come perdre la vista o perderi ma fortuna su de camintoir. E ara di mon cuor, y'a pu gaire d'humain. Io fugilige di mei suoi passi l'utin, e si ho più re dei rein, anzi in s'acaba mon can. Si è un re della luna, si è reine della ferune, si è un esame della marune. Les aigues de la palune, les anges de séparade, c'est que pareil ce masque, si en lise séparade, plague de sa majesté des muscles. Si es regine de luz, si oreille de gaire pus, si en enfant de montaïsun, enfin l'aire de tu. Les reire séparenda, que ste paraule fusque sun lise séparale, ou sans parade mots que ne sont dit ma bouco. Parli d'un mot de ma langue, t'es-tu que t'as l'enches? Des frames valentes et des mots de la mouque évalué en inette fagin les mallettes. Boudin parti et c'est strinchaillé. Au pouli de sigueleste, faut que purée nous a resté. Dis une chale et nusia ou la calou des cayennes et la luce égyptienne qu'a érimino. Comme au père oublida, dis une somicalin que sien élimina. Dis une chapelet messieurs, c'est pas télévisa. Sien les raies de la reine transforma en bétu. Pour rien parti et sympathie, un sens sans se perdre des teintes vieux et sympathie. Pour rien suffisant. Pratique, parlant d'un monde qui nous tanque, des yeux qui m'estaquent, des trucs qui t'escapent, des sirènes, même raloutin qui rirait d'Itaka. Si l'homme a dit mille tours, ouais, mille tours, pas ça, mais tu. Si est-ce régine de l'isque, et poupe l'isque, si est-ce ma calypso. Père les mains, passer les temps d'ancien, père ton avait été zué, y'a guéritan fait, fa guéritan quand l'amour de l'UND est un ancien, et si au purin de tout. Fique si au purée de tu. Si est le rey de la lune, si est reine de la ferune, si est les âmes de la marune, les aigues de la palune, les anges de séparade, c'est que pareil sans masque, si en lise séparade, plague de sa majesté des muscles. Si est régine de luz, si au rey de gaire pus, si en enfant de montaïsun, enfin l'aire de tu. Les reires séparenda, que ste paraule fusque sun lise séparale, sans parade mots que ne sun di ma bucco. Et va qui donc l'oreille de la lune, lune. Per a che un nouveau cantaire, c'est un peu pour dire que c'est un nouveau cantaire. Pas nouveau, ouvert à dire amen, parce que cantava me le corps de la plane, et puis elle canta soulé. Oui, mais art ressort des livres, des disques. Il y a un peu de moment. Et donc, pour nous trouver à honte. Eh bien, à l'espace occitan des Gap, des Ségur. Trouvez de tout à qui. À qui. Alors, c'est francamen, on est sur Internet, et il y a une poulie de librairie à Gap. Hein, qui se sonne l'espace occitan des Gap, 21 carrières de l'estamparier à Gap. Donc, et à qui il y a un numéro de téléphone, vous pouvez les appeler même au 04 92 53 98 40. 04 92 53 98 40, espace occitan, et à qui vous pouvez commander des livres. Donc, par exemple, Rodin Kosman, Pantaiklus. Va qui. Ou alors Los Beatles de Saint-Subran. Que Bernard n'aime pas là avec nous, mais d'avant. Va qui. Et tu as des livres de nous parler, Chantal? Eh bien, plus là où des CD. Alors, il y a des gens des Bédouins qui vont sortir une CD. C'est la bande acoustique. Hein, la bande acoustique trio, c'est-à-dire Marie-Madeleine, Mario et leur ami musicien d'origine marocaine, qui vont sortir une CD qui est donc Podescumanda Siegea. Taxi Pantai, bande acoustique, acoustique bande donc, tirée A, tirée acoustique, K-O-U-S-T-I-K. Ou alors tout simplement, Anas à la librairie à Bédouin, librairie L'Astucieuse Renarde. Oh, L'Astucieuse Renarde. Ils sont en vente à la librairie L'Astucieuse Renarde, le nouveau disque donc de la bande acoustique Trio. Ça s'appelle H-Dig. H-Dig. Oui. H-Dig. H-Dig, ça doit être bon. Ils nous ont chanté en berbère et en provençal
ils nous ont fait un concert au moment d'un ballet et c'était mélangé, berbère et provençal, c'était super réussi. Surtout donc je pense que le CD doit refléter. Surtout que le berbère, c'est une langue qui est menacée, qui n'est pas, voilà. qui est pas bien reconnue voilà. en Algérie et au Maroc, c'est, parce qu'en général c'est l'arabe, mais le berbère, il n'est pas reconnu, donc est-ce bien des cantins en berbère hein. Ok. Et on... Alors es-tu Bernard ben, hier, on vous propose le dernier livre qui est sorti d'une collègue, des Fenta, d'ailleurs, qui est partie, qui c'est son Romier Jumeau, hein, qui restait en Avignon. Romier Jumeau a écrit La Grande Timonariée. Chantal, connaît ça à quel raconte quel... Oh, ben. Elle le connaissait bien, là, ça, oh. à quel livre, alors J'avais étudié à Médis Esculando Renjo. Ah bon, l'avais étudié. Alors, il faut dire que Romier Jumeau est nascu à Marseille, hein, et après des études à l'École des Beaux-Arts, a eu un prime de gravature, un prime d'esthétique, a travaillé dans la publicité, hein, et donc nous a sorti à quel livre, son dernier roman, La Grande Timonariée. Alors, est-ce l'histoire d'une fille et d'un homme qui sont en voiture hein, et qu'il y a une déluge Bon, c'est trop bon, presque une chavane en pleine montagne. Ah. Et puis, finalement, arrive dans un village où il y a des gens qui ont des morts un peu étranges. Qui est des morts étranges. Un peu bizarre. Étrange, étrange. C'est une histoire de fiction, mais. Est-ce pas trop long? Est-ce pas trop longué? Alors, il faut dire que le livre coûte 13 euros, c'est pas d'un quart, et que c'est pas recommandé à l'espace occitan des Gap. Le Grand Timonarié de Rémy Jumeau. De Rémy Jumeau. Voilà. Vaki, donc vous. Romier Jumeau. Vaki, aux éditions IEO. Hein, éditions à toutes. Alors, une nouvelle chanteuse dont nous avons parlé, je crois, le mois dernier. Bon, qui avait passé à son disque. Vaki, de La Terre à l'Estelle. Un CD de 6 titres qui coûte 15 euros. Alice, c'est une nouvelle. Une June Cantairis Sestiane, donc de 7, reprend des classiques provençaux, comme la Mazurka sous les pieds, mais n'empêche pas d'écrire et de composer, et de reprendre des poèmes d'auteur comme Jean-Frédéric Brun. Et par exemple, il y a une chanson qui est écrite par elle, par Jean-Bernard Plantevin, qui est son Alice au pays des Mireilles. Alice au pays des Mireilles, une chanson que Jean-Bernard Plantevin a fait pour elle. Et cante une chanson d'elle, también. Alors, un livre. Oui, un livre. Je vous propose encore un livre. Escuta la vida. Escuta la vida de Lise Gros. Ah, la fille de Georges. La fille de Georges Gros. Lise Gros est une fille de la Garrigue et de la Palune, fin finale. Hein. Mm. Donc, vous proposez, vous comprenez que le livre, qui n'est pas bien car, qui coûte 10 euros. Il y a 606 pages. Et donc. Et de qui est-ce? À l'IO Ode. Il y a où l'aïpain Carolegi, tu. Ah, bon. Donc, son père, Georges Gros, est renseigneur autour Contaire, et Lisa Segui, le même camin. Et donc, à l'amour de son pays, de sa langue, l'invège de partager à qui il doit sa passion, sa terre, arrive de la Mar Nostre, et le bio sauvage de Camargue. La bestia mystérieuse qui s'ignorege. Donc, Escuta la vida, livre de Lise Gros. Ah, entendi. Ah, es lourd. Es lourd de se quita, es dommage, mais bon, le temps passe léo, hein. Le temps passe force léo. Es lourd de se quita. Donc, era l'émission Actuoc, les nouvelles des provinces, vous disant adesias et au mes que ven.